L'État, le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à mouiller le maillon pour sa réélection le 20 décembre prochain. Il a fait un carton plein à Maragui, en Ituri, où la population s'est engagée de voter en sa faveur, enfin de lui permettre de poursuivre ses efforts de restauration de la paix et la sécurité. Suivez un extrait de l'adresse du candidat numéro 20 à Maragui. Gratuité à enseignement primaire. Ceux qui ont sa confiance, on peut se rabattre la dino, pour comata, gratuité, gratuité et comata, et pour comata la secondaire. Les amis du Cambo, on est établi couverture santé universelle. Après un bref séjour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le leader du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris son avion ce lundi matin pour une autre province afin de continuer la campagne électorale pour la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été escorté spontanément par les conducteurs de moto-taxi de la ville de son hôtel jusqu'à l'aéroport de Goma. Fils du pays, la victoire est à nous. Les numéros 20, Fatshi Béton, c'est l'espoir. Nous allons voter à 100% pour Tshisekedi Skonde, c'est Moutard. Débat autour de la tenue des élections le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Le président national du mouvement de libération du Congo, MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est veut rassurant car, dit-il, la commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas jusque-là donné une communication contraire. Il a dit au cours d'un point de presse à Mbandaka, chef-lieu de l'Équateur. Suivez. Devant la presse à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, s'est vu rassurant quant à la tenue des élections le 20 décembre en République démocratique du Congo. Mais d'abord, est-ce président, mais non, ça fait ça. Est-ce CENI? Question mito na wana esengere ki bonga ki ezala kote a moto bato ya seni biso toujours la na makambo bato ya seni mais faut la biso toujours les préparer c'est dans autant la voler vraiment na ba hélicoptère on a ba risque on a sur éviter que le 20 ma pour les années le bas seni a ça la biso coup et pas l'engage je pense que puis la tangue lobby lobby il y a deux jours Angola va te signer encore d'Angola pour que bato de la biso peut ba faire pour jour oui na mola ki paye toujours la ki na mboka ni na côté à est kuna na moni ba hélicoptère ya MONUSCO Isaac na Maragui je crois na Maragui na moni ba hélicoptère ya MONUSCO il porte ka ba matériel pe ya CENI to ezala MONUSCO ezala pe Angola ba zo tinda ba hélicoptère na ba fait pour pas to kabola CENI kabola siko ni ba en matin nyo so pour ngai boto la mitro na CENI mais c'est même pas étali même président tête. C'est pas abusant d'être organisé par l'élection, c'est assez nous. Le leader du MLC déclarait ici l'opinion sur le pourquoi a-t-il pris les armes. Ma salle, Bitumba, c'est au politique, c'est pour l'intérêt personnel. Je crois que nous, il y a quatre abusants, Boyebi, Essika, Famille, Naouti. C'est-à-dire qu'il y a besoin, il y a un risque dans la vie dans la tête. Parce que ce qui nous a dit, aux hommes, dans les lobes et vivants, c'est que. Ils allaient par miracle, hein. Ils avaient la volonté à nous amener. Parce qu'on a moni du bois de près de plusieurs reprises.
Oh, vraiment, bazo betana et massa, c'est bon betana ma banque. Moi, on a plusieurs reprises. Et j'attends ma bitoum, j'attends 1 plus 4, moto, yo, y'a même deux fois, qui wana, quoi, le qui moutou, l'anga, la boya. Donc, on a la monnaie, l'y voit de près, mais Nazan a envie grâce à Nazan. Donc, je ne fais pas la politique pour l'intérêt personnel, je fais ça parce que Nazan a pour ça que Moukalanga est tambola. Et qu'un jour, là, moi, on a que Congo, là, bah, congolaise, nous, surtout, bah, dans Congo, bazo vivre les lots mieux, le lobby. C'est ça ma volonté. La polémique autour de la nationalité de Moïse Katumbi continue à faire débat dans la sphère politique congolaise après la déclaration du leader du MSC Jean-Pierre Bemba Gombo demandant à Moïse Katumbi de clarifier l'opinion sur sa nationalité zambienne. Jean-Jacques Moutoualé, cadre du MSC, appelle les camps Katumbi à brandir le preuve contraire à cette accusation au lieu de s'attaquer à Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement de libération du Congo. Jean-Jacques Moutoualé est au micro de Maxime Makabo. Parce que la situation à présent, à ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba a éclairé l'opinion congolaise et savoir que Moïse Katumbi n'est pas congolais. C'est tout le temps. Nous, MLC, nous, Congolais, nous, Kino, on attendait peut-être d'avoir les acolytes de Moïse venir dire que non, ce que Jean-Pierre a dit, Jean-Pierre a menti. Voilà les documents que nous détenons. Et Moïse Katumbi est bel et bien Congolais. De père, de mère, je ne sais pas de quel quartier. Mais du côté Jean-Pierre Bemba n'a jamais été demandé d'asile quelconque place. Et Jean-Pierre Bemba n'a jamais été chef des Ougandais. Et Jean-Pierre Bemba, il est Congolais, à 100% Congolais. Il n'a jamais été à séjour à l'Ouganda. Il n'a jamais été demandé d'asile à l'Ouganda. Comment il doit apporter un passeport étranger? Aussi longtemps, il est résident. Il était résident à l'Europe. Et il a fait la rébellion, sortant de l'Europe pour passer à l'Ouganda. Il n'a jamais été demandé d'asile à l'Ouganda ou soit quelque part. Donc voilà la vérité. Nous, nous voulons que ces gens-là nous amènent une identité propre et claire à la population congolaise de dire que voilà, Moïse, il est congolais. Son père, les noms et sa maman, on compte. Jean-Pierre Bemba n'a jamais pris les armes pour son propre intérêt. Jean-Pierre Bemba avait pris les armes pour libérer les Congolais par rapport à ce que le père Kabila avait fait, avait amené les étrangers ici, et ces étrangers-là maltraitaient les Congolais. Et c'est à ce que Jean-Pierre Bemba avait mal senti pour dire non, je ne vais pas laisser ma famille souffrir comme ça dans leur pays. C'est pour cela qu'il avait pris les armes pour libérer les Congolais. Ce n'est pas pour lui. Et puis sachez également le candidat du mouvement de libération du Congo et ceux de l'APA, MSC, étaient en réunion d'évaluation au siège national de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba ce lundi 11 décembre 2023 pour évaluer le deux meetings de Jean-Pierre Bemba Gombo tenu dernièrement à Kinshasa. C'était au tour du secrétaire général du MSC, Fidèle Baba Lawandou. Le reportage est de John Mukadi, Georges Libengue. C'était une rencontre de grande importance pour les partis chers à Jean-Pierre Bemba Gombo au moment où la campagne électorale entre dans une étape décisive. Réunis autour de Fidèle Babala, les candidats du MLC et APA-MLC ont évalué les deux meetings de Jean-Pierre Bemba tenus la semaine dernière à Kinshasa, respectivement au terrain municipal de Massina et au stade Vélodrome de Kintambo. C'était aussi une occasion pour les challengers du mouvement de libération du Congo à différents niveaux du prochain scrutin électoral de projeter des nouvelles stratégies de la campagne électorale. Aujourd'hui était pour nous une occasion de s'exprimer librement compte tenu à l'activité qui s'est déroulée l'autre fois, c'est la présentation des candidats. Alors, bien que ça ne s'est pas fait comme on le voulait, mais on a relevé le point positif et on a relevé aussi le point négatif, afin que la prochaine fois, que tout se passe bien. Oui, le lot est là qui, pour que nous
la évaluation de l'activité au président national Jean-Pierre Bemba Gombo, on a vu la Kinshasa, c'était le mercredi, où la procédure qui la présentation des candidats à tous les niveaux. Et aussi, pour raconter l'année, nous avons le Kaki, et aussi, bonne orientation auprès de l'autorité à partir, on a compris ça, c'était pour nous aussi l'occasion, de la part de notre secrétaire général, Sidi Babala, et le président fédéral de Ringo Valentin, l'orientation qu'on a au établi terrain. Parce que Tikali, on a moins temps pour la campagne électorale. Donc, le candidat va se aux ala bongo efficace et surtout pour mobiliser, pour nous aller en terrain pour nous permettre à ce que MLC, tout qu'on raconte, va poster l'union et va lutter belé, va raconter là, et lui qu'on était parti, et qu'on raconte là toujours au top. Parlons toujours processus électoral en République démocratique du Congo. Le candidat numéro 1145 à la députation nationale, dont la circonscription électorale de la Tchango René Bonganga a été reçue dimanche 10 décembre 2023 par sa base de la commune de Maluku. Il est sensibilisé à opérer un choix de la raison en votant les numéros 1145 et le numéro à la présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Témoin de l'événement, Maxime Makabo. C'est dans une ambiance de chaleur que la population de la commune de Maluku a accueilli dimanche 10 décembre, tambour battant, son futur représentant au Parlement, René Bonganga. Président de Bembiste Structure spécialisée du MLC du chairman Jean-Pierre Bemba et candidat numéro 1145 dans la circonscription électorale de la Tchango. Mwanankoy Azankoy, c'est leader naturel de la Tchango, dont la volonté et la disponibilité légendaire à servir les autres ne plient à démontrer, a au cours de ces grands rassemblements sensibilisé les Maloukois et Maloukoises à opérer un choix judicieux pour le développement de leur contrée, et ces choix restent le numéro 1145, René Bonganga. Ses fils idéologiques de Jean-Pierre Bemba comptent, une fois élu, porter le problème auquel fait face la population de la Tchango au Parlement, lié notamment à l'enclavement des cerces en eau et électricité. N'a observé pas député Bisson à Tchango, tu votes qui en 2006, tu votes qui en 2011, tu votes qui en 2018. Nathalie, ma problème est à Tchango. Bazali kolobela yango te. Au moins bazali koya ko kabela biso baloso. Basoso pe ko pesa biso bambongo. To pesi biso ba voix. To pesi bango ba voix après baki. Après bakeli bela, merci beaucoup. Alors, n'a décidé que cette fois-ci n'a tia candidature na ngai. Et pourquoi n'a tia yango? Parce que Kobanda na Maluku awa, tozali na molobeli moko oya defandaka problème à Maluku. Akelele na tiaka esukaka kana télévision. Alors lelo na ye pa na bino de façon que soki bo pesi ngai confiance. Na lobili kambo soki mutwana yo kite azala DG, PDG, ministre. Na kopenga ye na parlement. Na kombo ya bana Tchango, na kombo ya bana Maluku, de façon que à s'expliquer on a pas problème oyo ezali konyoko la biso bana Tchango. Cet homme des cœurs, les codes de la raison, 1145, René Bonganga a profité de l'occasion pour distribuer le pagne aux femmes de Maluku. Maman Tchango a déjà fait son choix. René Bonganga, numéro 1145, la valeur sûre pour le développement de la Tchango.
dans le cadre de sa campagne électorale. Georges Libengue, conseiller municipal dans la commune de Massina, numéro 767 pour le mouvement de libération du Congo MLC, a organisé samedi un carnaval pour conscientiser le jeune du quartier Fumusuka sur les valeurs citoyennes afin de récuser les banditismes urbains dans cette municipalité. Autre détail dans ce reportage. Ida, conseiller municipal numéro 767, Georges Libengue, a organisé le samedi 9 décembre un carnaval en vue de conscientiser le jeune du quartier Fumusuka dans la commune de Massina, Petro-Congo, sur les valeurs citoyennes. Pas question de promouvoir le banditisme urbain à Massina. Le candidat conseiller municipal par excellence numéro 767, Georges Libengue, mène désormais ses combats pour éradiquer ce phénomène dans cette municipalité. Ensemble, jeunes et vieux, ils ont parcouru les différentes avenues de Massina Petro-Congo, appelant ces jeunes malfrats communément appelés Kuluna à abandonner cette pratique. Papa, Papa Ibenge, papa Abana, Aboye Sikuluna Yari, Yari Gimusala, Bana Makoma Malamu, Onoana Nabisa Umbela, Umbela Kino Aseko Aseko Papa, Oya Koko Yango, Afanda Nae, Seta Septa, Seta Sasa Seti, Papa Bana Eo, Seta Sasa Seti, Papa Abiso Ibenge, Les jeunes de Massina, qui ont automatiquement adhéré à cette initiative de Georges Libengue, se réjouissent ici de ce geste car ça vient de mettre fin à un conflit de groupes de jeunes de Massina qui a duré plusieurs années. Pour la paix et les rayonnements de la commune de Massina, le choix par excellence reste Georges Libengue, conseiller communal numéro 767. Dans la circonscription électorale de la Founa, le candidat député national numéro 470, Esaïe Njoli Anjoli, ratisse large dans le cadre de sa campagne électorale. Sa tournée intercommunale s'est poursuivie ce week-end dans la commune de Bandalungwa, où une foule immense réunit ne jure que son élection. Déterminé, Esaïe Njoli Anjoli veut amener tous les maux qui rongent cette municipalité à l'Assemblée nationale pour des solutions idoines. Pauline Mboyo et Lola Kinyamba pour leur reportage. Le candidat député national numéro 470 à la Founa continue à exhiber ses biceps en vue de son élection le 20 décembre 2023. Esaïe Njoli Anjoli a poursuivi sa tournée intercommunale à Bandalungwa. Une mobilisation tous azimuts. C'est lui qui maîtrise bien Bandalungwa, qui a toujours été au chevet de cette population, a été accueilli en véritable sauveur.
du coin de l'église Saint-Michel. Ensemble avec une foule immense, le candidat député national numéro 470 à la FUNA pour les comptes des bâtisseurs du Congo, Isaïe Njoli Njoli, a effectué une longue procession parcourant les rues et avenues de la commune de Bandalungwa jusqu'au lieu du rassemblement, la salle Falbop. Pleine à craquer, la foule immense, unie comme un seul homme, en faveur de la candidature du numéro 470 à la FUNA, Isaïe Njoli Njoli. La foule immense, unie comme un seul homme, en faveur de sa candidature. Le candidat député national numéro 470 à la FUNA, Isaïe Njoli Njoli, d'exprimer dans son allocution son vœu de voir Bandalungwa changer. Les travaux inachevés du stade municipal, l'insalubrité et tant d'autres mots. En tout cas, Isaïe Njoli Njoli veut emmener tous ces problèmes qui rongent cette municipalité au perchoir de l'Assemblée nationale pour des solutions idoines. Na funa na tamboli, na komi awa place ngai moko na pata, avana yawa na tamboli, na kei kota la stade na biso ya municipal. Est-ce que ici là? Stade municipal, ici là? Moutou a kolobe la bino a salite. Batikeli bino inachevé. Bana bandalo, oye! Na maponami, oye! Bozako yo, kananzembo langai, ezolo baliboso, fati liboso, etali nasima! Fati liboso, etali nasima! Et la qui si que, il faut qu'on renouvelle président Fati Peto Manda. Et ça dit qu'on était? La réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la tête du pays, Isaïe Njoli Njoli y tient et soutient sa vision. Ici, c'est ma base naturelle. Ils sont venus exprimer leur ras-le-bol de ne pas toujours voir leur candidat soit sur la liste des élus. Ils ont des regrets. La fois dernière, c'était le numéro qui a été changé. Et cette fois-ci, je crois que ce sera la meilleure et je serai l'élu de la FUNA. Et ça, c'est sûr, vous avez vu la masse qui est derrière là. Donc, déjà au niveau de la FUNA, il y a déjà une place pour Isaïe Njoli numéro 4 à ce temps. Les mamans des Bandalungwa qui le portent à cœur ne sont pas rentrées réduites. Elles ont reçu de leur fils Isaïe Njoli Njoli, candidat député national numéro 470 à la FUNA, des pagnes. À Bandalungwa en particulier et FUNA en général, la population apporte son soutien à un seul candidat député national, le numéro 470, Isaïe Njoli Njoli. Et pour clore ces chapitres, sachez que Gisèle Kabanga Ngalula, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, poursuit son relâche avec sa campagne électorale. Le dimanche, celle que la population de la Tchangou porte à cœur a organisé une caravane motorisée avant de rencontrer le veuve Amassine sans fil. Elle a sollicité leur suffrage en vue du développement de la Tchango, Gisèle Etoko et Lola Kinyamba pour leur reportage. Femme forte, battante, déterminée, tenace, capable, Maître Gisèle Kabanga Kalula, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchango, continue à mouiller le maillot pour entrer à l'Assemblée nationale afin de défendre les intérêts de la population de la Tchango. Elle qui a toujours été à leur côté. Poursuivant sa tournée dans cette circonscription électorale, Maître Gisèle Kabanga, candidate numéro 863 à la Tchango, est descendue dans le rue des Massina à travers une caravane motorisée partant de l'entrée Pétro-Congo, sensibilisant la population à lui accorder leur suffrage. En compagnie de sa base, la caravane chemin faisant l'a conduit jusqu'à Massina sans fil,
où la candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, Maître Gisèle Kabangangalula, est tête à la rencontre des veuves. Ces dames qui veulent l'avoir élue pour un véritable changement à la Tchangou. En pleine pluie battante, Maître Gisèle Kabanga les a appelés à opérer un choix utile le 20 décembre prochain, c'est-à-dire voter le numéro 863 à la Tchangou. En tout cas, Tchangou doit changer. Tchangou doit ressusciter avec le numéro 863, Maître Gisèle Kabanga. Donc j'ai vraiment ce pouvoir-là, ce privilège-là de les représenter. Ils sont d'accord d'aller au vote le 20 décembre. Pour voter à la présidence le numéro 20, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, et le numéro 863, Maître Gisèle Kabanga de la députation nationale. Alors l'ambiance était vraiment au rendez-vous, tout s'est vraiment très bien passé, et vous avez même vous-même constaté tout ce que les mamans ont eu à chanter. Nous avons pu aussi leur donner quelques pagnes et les mamans étaient vraiment d'accord. Nous irons jusqu'au bout et nous allons remporter cette élection le 20 décembre 2023. Femme pleine de générosité et de bon cœur, Gisèle Kabangangalula a offert des pagnes à ses voeux. À la Tchangou, une seule femme, Maître Gisèle Kabangangalula, candidate députée nationale numéro 863 à la Tchangou, la femme qui bâtit la Tchangou. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé une session de renforcement de capacité des observateurs électoraux. Question de les outiller afin de bien faire leur travail. Bob Zamba. Promouvoir et protéger l'ensemble des droits de l'homme, y compris les droits civils et politiques liés aux élections, relève des prérogatives de la Commission nationale des droits de l'homme. Il était donc important pour le neuf commissaire à la CNDH, à l'approche de la tenue des élections, de pouvoir préparer les observateurs afin qu'ils fassent correctement leur travail. D'où la tenue de cette session de renforcement des capacités des observateurs électoraux. Notre pays va bientôt tourner une page importante de son histoire à travers les élections qui auront lieu le 20 décembre 2023. La Commission nationale des droits de l'homme a reçu mandat du législateur congolais de promouvoir et de protéger l'ensemble des droits de l'homme, y compris justement les droits civils et politiques liés aux élections. C'est pour cette raison que, avant de déployer nos observateurs sur terrain, il était nécessaire pour les neuf commissaires à la CNDH de pouvoir préparer les observateurs et renforcer leurs capacités afin qu'ils fassent correctement ce travail sur terrain. Bon, cette observation va porter essentiellement sur les questions des droits de l'homme. Donc, nous nous occuperons uniquement des violations des droits de l'homme en rapport avec le processus électoral et particulièrement le jour même du vote. Dans un premier temps, ce sont les cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous les avez vus ici. Ils suivaient avec beaucoup d'attention les instructions qui sont données. Maître Tshibandandouba Jean-Richard, commissaire national et coordonnateur de la sous-commission permanente des droits civils et politiques, revient sur l'importance qu'est rêvé ces assises. Nous avons trouvé que le moment est arrivé où nous devons organiser urgentement cette session de remise, de mise en capacité des agents et cadres des membres de la CNDH sur la question en rapport avec le monitoring électoral pour le compte de la CNDH. Le fait que dans deux semaines, nous avons les élections, donc il y a lieu de le faire afin que les matières soient encore vivantes dans les mémoires, dans les chefs des observateurs qui seront sur le terrain. Notez que ces assises rentrent dans le cadre du mandat que la Commission nationale des droits de l'homme a reçu du législateur congolais.
Vous le savez peut-être, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a présenté ce lundi 11 décembre 2023 devant le Conseil de sécurité le rapport du dernier trimestre de l'année sur la situation en République démocratique du Congo. Les relations entre la RDC et le Rwanda, exacerbées par l'activisme du M23 soutenu par Kigali sur le sol congolais, la chef de la MONUSCO a souligné qu'il y a de risques d'escalade militaire. Et Bintou Keïta de féliciter le gouvernement congolais d'avoir officiellement interdit toute relation des FARDC avec les forces démocratiques de la liberté du Rwanda, FDLR, principal faux prétexte du Rwanda pour garder sa présence à tout moment dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Je vous retrouve encore demain avec ces mêmes plaisirs.